Petit retour de vlog. Donc du coup, on est au cinquième jour, je crois. Et donc là, on va aller se promener un peu cet après-midi tranquillement. Ce matin, on a fait grasse mat. À 17h, on a rendez-vous pour aller faire du chameau dans le désert de Merzouga. Et on va dormir en tente luxueuse ce soir dans le désert pour voir normalement un coucher de soleil, car il fait très beau, et les étoiles. C'est haut ? Ah bah oui, c'est haut. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui, et puis on n'a pas de ceinture, les gars. Elle est pas contente. Ça peut se faire. C'est hyper confortable. Regarde ça, easy, man. Oh, ouais. Bien joué. J'adore. Hein? C'est génial. Ça va, Mylène? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, rien que cette dune là, tu vois, ça m'aurait fait chier de la monter à pied, tu vois. Hey, Laurence d'Arabie, là, tu peux me regarder? Non? Dans notre camp pour ce soir au pied des dunes de Merzouga après ce super trip en chameau. Voilà, on va assister au coucher du soleil avec un petit thé, là ça va être parfait. Ce soir ça va être musique, j'imagine. Voilà une touareg et voici notre très belle tente. Voilà pour ce soir. Avec
la douche et les toilettes qui sont ici, je vous rends pas, mais enfin, ce sont des beaux toilettes, apparemment. Tout est très joli. Se réveille au bord des dunes ce matin dans le désert. On va assister au lever du soleil. Les montagnes qu'on vous voyez au fond, c'est l'Algérie. Donc après ce super arrêt à Merzouga dans les dunes et un réveil avec un lever de soleil magnifique, on a repris le 4x4 pour retourner au Riyad et maintenant on se dirige vers Fès. Donc là c'est le gros road trip, c'est la grosse journée de road trip parce qu'on va faire 7 heures de route là, pour monter jusqu'à Fès et on devrait même passer par des endroits où il y a de la neige. Donc changement total de décor. Et voilà, après ce road trip un peu chahuté par une belle crevaison avec un beau morceau de verre dans le pneu, on vient d'arriver, on est à peine 5h30 à Fès.
Fès, où on venait de se garer, et je vais vous montrer le riad où nous allons loger pendant 3 nuits. Voilà, on vient de se garer là. Vous voyez, on est juste dans la médina. Et je vais vous montrer le riad. C'est le riad d'Amia. On rentre par cette petite porte. Et là, jamais dormi dans un palais. C'est un palais, quoi. C'est un palais. Ah bah ouais, regarde ça un peu. Elle est rose, Nen. C'est un palais. Incroyable. Première fois que je vais manger un burger au steak de dromadaire.